L'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo a exhorté les usagers de la route à s'acquitter de la taxe de roulage 2019 d'ici le 22 avril. Dépassé ce délai, la police procédera au recouvrement forcé et aux pénalités prévues. Dès aujourd'hui, nous lançons la campagne de sensibilisation. Cette campagne est en deux phases. Donc, du 1er avril jusqu'au 20 avril, il s'agit là de la campagne de recouvrement à l'amiable. C'est-à-dire les gens vont aller payer sans pression. Ceux qui vont payer après le 20 avril, ça sera donc le recouvrement forcé et ils seront assujettis d'une pénalité de 10%. Donc, au lieu de payer 17 000, ils vont payer peut-être près de 20 000. Ce plaidoyer en faveur du paiement de cette taxe destinée à aménager les voies urbaines va désormais être payé dans les guichets uniques. Je demande la bonne compréhension à tous les usagers pour qu'ils adhèrent à cette opération et cela va permettre à la mairie de nous arranger les routes. L'avantage est que cette fois-ci, il y a un guichet unique. Hier, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, il y a un guichet unique. Les gens vont payer dans tous les arrondissements et l'argent-là sera contrôlé. Cet appel qui contraint les transporteurs à payer cette redevance doit être intériorisé par la mairie de Brazzaville, souvent indexée par les populations au sujet de la dégradation très avancée des voies.